Bonjour à tous, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de livres de coloriage et on part sur le tome numéro 4 de The Body of Horror de Alan Robert. Il nous manquera plus du coup que le tome 5 à vous présenter parce que du coup, je souhaitais vous les faire partager avant de colorier dedans bien sûr, mais en sachant que nous arrivons bientôt à Halloween, au moins ça sera fait et du coup je n'ai plus qu'à attendre que le tome 6 sorte, donc pour le 1er mars 2023. Nous y sommes encore loin, mais en attendant on s'approche de la fin de l'année et je souhaitais du coup clôturer un maximum de présentations de livres de coloriage et aujourd'hui on se retrouve pour celle-ci. Du coup, la présentation de ce livre est maintenant terminée. Je me suis arrêtée du coup sur la bannière de couverture qui est à colorier, que je trouve super sympa. Déjà, Chucky, je le kiffe. Mais vraiment, je le kiffe. Lui, je me rappelle absolument plus de qui c'est. Son prénom, je sais plus. Mais bon, il a joué dans le film Halloween, il me semble. Mais vraiment, les illustrations de ces livres-là, en vrai, j'adore. Même le clown. Bah alors, celle-ci, vraiment, je la kiffe. Il y a un commentaire qui m'a été envoyé sur l'une de mes vidéos de présentation de d'un des trois premiers tomes qui m'a demandé... à savoir si d'une part j'allais faire un colo en vidéo, donc la réponse est oui, donc j'attends juste de faire la présentation des 5 tomes bien sûr, et cette même personne m'a demandé la qualité du coup des pages, en sachant que c'est assez épais, voilà, on peut travailler avec divers matériels, ce n'est pas un souci, que ce soit feutre à alcool, que ce soit avec de l'aquarelle. On peut vraiment travailler avec beaucoup de choses. Comme je le dis par contre à chaque fois, même si les pages sont relativement épaisses, pensez toujours à mettre une petite intercalaire, une protection ou quelque chose pour ne pas abîmer le dessin de derrière. Voilà, donc celui-là, je ne pense pas le faire. Donc même si je viens à utiliser des feutres vraiment qui transfèrent de l'autre côté, en soi, c'est pas grave, mais à mettre toujours une protection parce que ça m'embêterait que celui-ci, en fait, soit abîmé également. Du coup, la vidéo, elle est terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter et à activer la cloche de notification. Sur ce, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine pour une prochaine nouvelle vidéo de présentation ou de colo. Je sais pas, on verra pour la suite. Des bisous!